Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la douleur chez le chat. Donc c'est quoi exactement la douleur? Donc la douleur, c'est une sensation désagréable qui se développe suite à la stimulation des terminaisons nerveuses qu'on appelle aussi les récepteurs de douleur. Donc des récepteurs de douleur, on en a un peu partout dans le corps, ça peut être la peau, les organes, le cerveau. Ils peuvent être aussi stimulés par des stimulus externes comme par exemple le froid, la chaleur, une blessure, un coup, etc. C'est vraiment plus difficile de déceler la douleur chez le chat. Donc, la meilleure personne pour nous dire que leur animal a mal, c'est vraiment le propriétaire de cet animal-là en particulier. Donc, on va vous énumérer quelques comportements qui pourraient nous indiquer de la douleur là, ou une souffrance chez le chat. Oui, effectivement, en fait, le chat peut commencer à se cacher un petit peu plus dans la maison, peut s'isoler, il peut aussi refuser d'être proche de ses propriétaires, donc on va le voir un petit peu plus à l'écart. Il pourrait aussi avoir un comportement agressif, donc c'est-à-dire qu'il pourrait vouloir mordre, griffer, en fait, c'est des comportements qu'il n'y a pas habituellement. Ça pourrait être un chat aussi qui, ses habitudes de tous les jours sont changées. Il pourrait avoir des changements dans son comportement, donc il pourrait avoir des raideurs, une boiterie. Si c'est un chat qui a tendance à se tenir en hauteur, il pourrait aussi ne plus se tenir dans des endroits comme au-dessus du réfrigérateur ou au niveau de son arbre à chat aussi. Il pourrait se toiletter moins, donc ça pourrait arriver là, qu'on remarque des nœuds dans son pelage ou un poil ébouriffé aussi. Ça peut être des signes, là. Donc, le chat pourrait aussi vocaliser de façon anormale, c'est-à-dire miauler de façon inhabituelle ou gémir. On peut aussi penser à tort que les ronronnements sont reliés au bien-être, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le ronronnement peut aussi être associé à de la douleur ou un inconfort. Donc, aussi, il peut y avoir des signes de malpropreté. Le minou peut avoir de la difficulté à aller à la litière. Donc, ça aussi, c'est des signes là, à tenir compte. Le minou peut aussi manger moins ou ne plus manger du tout. Ou avoir une fréquence respiratoire qui est plus élevée, c'est-à-dire respirer plus vite. Il y a aussi différentes postures là, qui sont importantes à savoir comment notre chat peut se tenir. Donc, par exemple, le dos rond. Un chat qui va avoir le dos arrondi, qui va avoir les pattes, qui va être plutôt immobile, ça, c'est un signe aussi. Le chat peut aussi avoir les yeux froncés, donc les yeux à moitié fermés. Il peut avoir la tête plus basse. Le chat peut être aussi apathique, c'est-à-dire qu'il peut rester couché, il peut être tendu. Donc, ce signe-là est plus évident, étant donné que rendu à ce stade-là, la douleur est plus intense. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des interrogations par rapport au sujet. Vous pouvez nous contacter ou prendre rendez-vous avec un vétérinaire. Ne manquez pas notre prochaine capsule qui va porter sur la douleur chez le chien. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon.